Jeudi 2 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. Ouverture des travaux de la 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique à Oran. Nous reviendrons sur cette première journée dans cette édition. Tension entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis. Les chefs de la diplomatie Sergueï Lavrov et Anthony Blinken se rencontrent en Suède à ce sujet. Travaux de la 23e réunion ministérielle de l'OPEP et non OPEP par visioconférence. Une décision plutôt inattendue en ressort, on en parle dans un instant. Ouverture aujourd'hui donc des travaux de la 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. L'événement se déroule au centre des conventions d'Oran sur 3 jours. Objectif, faire entendre la voix de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité et défendre les positions africaines concernant les questions de paix et de sécurité, justement. Souhila Akilal. Les travaux de la 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique se sont ouverts aujourd'hui à Oran, sous la présidence du chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra. D'une durée de 3 jours, ce séminaire de haut niveau initié par le Comité de paix et de sécurité de l'Union africaine se tient dans une conjoncture marquée par de nouveaux conflits qui s'ajoutent à ceux déjà existants. Le thème de ce séminaire évoluant autour de la nécessité d'assurer un soutien adéquat aux membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU dans le traitement des questions de paix et de sécurité africaine est d'une importance et d'actualité évidente. Il traduit en effet notre engagement à redoubler d'efforts pour faire entendre la voix de l'Afrique au niveau international pour faire en sorte que ces efforts soient reconnus et que ces préoccupations majeures, ces intérêts stratégiques et ces perspectives raisonnables soient dûment prises en compte. Dans l'attente de la traduction des réformes au sein de l'ONU et notamment son Conseil de sécurité, visant l'entrée de nouveaux membres permanents, notamment de représentants d'Afrique, il est nécessaire que les pays africains puissent faire entendre leur voix sur les questions qui les concernent directement. Dans un contexte marqué par la détérioration du paysage global de la paix et de la sécurité, notre continent a besoin d'un rôle important de l'Union africaine dans la prévention et la résolution des conflits. Tout en projetant cet effort au niveau international, nous devons toujours viser à rendre le multilatéralisme plus avantageux pour l'Afrique et nous efforçons de mettre fin à la marginalisation de notre continent au sein du système international, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais pour que cela se produise, nous n'avons pas d'autre choix que de parler d'une seule voix décisive et forte, que ce soit au Conseil de sécurité ou dans tout autre instance. Ramtane Lamamra a tenu à rappeler à l'auditoire que l'Algérie s'apprêtait à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU et à apporter sa contribution au nom de l'Union africaine au cours de la période 2024-2025 en coordination avec ses homologues africains. Et cette déclaration exclusive pour L24 News du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, il revient sur l'importance de la place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. On l'écoute. En fait, l'Afrique voudrait une réforme profonde du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique a fait des propositions. Nos chefs d'État et de gouvernement ont adopté notamment la fameuse proposition des Zulwini. L'Afrique voudrait une réforme aussi bien dans la composition que dans le fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et notre envoyé spécial Safouane Ben Sabri est sur place à Oran pour couvrir ce rendez-vous sécuritaire. Il a assisté justement à l'ouverture des travaux de la 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Bonsoir Safouane, comment s'est déroulée cette première journée? Oui, allô Fatma. Oui, bonsoir Safouane. Nous disions bonjour, que vous bonjour, avez assisté bonsoir. À cette Aujourd'hui, première journée. Il a été question tout d'abord d'aborder les grandes lignes de ce sommet. Mm-hmm. Et tout d'abord, il a été question cette matinée d'architecture et de gouvernance en Afrique sur les acquis et les lacunes que comportait ce domaine en Afrique. Et demain seront abordés des thèmes avec plus de profondeur, en l'occurrence les perspectives d'un renforcement de l'efficacité des mécanismes de l'UA ainsi qu'une meilleure coordination. C'est le mot d'ordre de la journée d'aujourd'hui, de demain, pardon, pour porter mieux
la voix de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. D'accord. Merci Safwan Ben Sabri. Je le rappelle, vous êtes notre envoyé spécial pour couvrir cet événement. Nous reviendrons vers vous demain pour plus d'informations. Et on se dirige plutôt à présent au Chili où se déroulent les élections présidentielles. À quelques jours du deuxième tour, la campagne s'intensifie entre l'extrême droite et la gauche. Fait marquant de ce scrutin, la présence du dossier de l'immigration et de la justice sociale comme un thème tant exploité, notamment par le candidat de la droite, José Antonio Kast. Les détails avec Amine Touta. Le jour du scrutin s'approche et le bras de fer se durcit entre la gauche et la droite au Chili. Une campagne présidentielle rythmée avant le rendez-vous du 19 décembre. Arrivé en tête du premier tour, l'homme d'affaires José Antonio Kast joue ses dernières cartes pour conquérir le Palacio de la Moneda en défendant ses thèmes de prédilection tels que l'ordre moral et l'immigration. Ce dernier dossier, habituellement présent dans les pays occidentaux, vient faire son poids au Chili. Le pays fait face à un flux migratoire sans précédent. Parmi eux, un nombre important de Vénézuéliens. Face à José Kast, le jeune socialiste Gabriel Boric, ce militant du mouvement étudiant, tente de séduire l'électorat chilien en se montrant distant face à la gauche traditionnelle qu'a connu le pays pendant des décennies et en optant pour les valeurs sociales de la gouvernance. Deux candidats à l'exact opposé et un vote qui va bouleverser le paysage politique au Chili, pour la première fois depuis les années 90. Et en Somalie, l'opposition décide de boycotter les élections présidentielles. Malgré la rencontre en début de semaine entre le Premier ministre Mohamed Hossein Roble et les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle dans une tentative d'apaisement, l'opposition qui accuse depuis des semaines le président Farmajo de faire élire ses proches en usant de fraude et de corruption. Dans un communiqué commun, les candidats de l'opposition ont affirmé que ces élections étaient un pur et simple pillage. Par conséquent, il demande la suspension du processus et une rencontre, notamment avec les partenaires internationaux de la Somalie. Et au Nigeria, naufrage d'un bateau dans l'état de Kano, au nord du pays, le bilan s'alourdit. On compte à présent 29 morts, selon le communiqué publié hier par le porte-parole de la police d'état de Kano. 9 nouveaux corps ont été repêchés. Au moment de l'accident, le bateau transportait 50 passagers, dont des étudiants. 29 sont décédés, 9 ont été secourus et 12 autres sont toujours portés disparus. On va parler santé avec le nouveau variant Omicron. L'Afrique du Sud se penche vers une obligation vaccinale, étant le pays le plus touché par la pandémie avec environ 3 millions de cas et quelques 90 000 morts. Le pays peine à accélérer la cadence de vaccination. 29% seulement de la population est vaccinée. Le gouvernement qui réfléchit donc à instaurer l'obligation vaccinale. Une décision qui divise pour beaucoup de Sud-Africains. Cette décision touche à l'intégrité physique et la liberté d'opinion. Et puis les Émirats arabes unis qui recensent une première infection au variant Omicron. Il s'agit d'une femme entièrement vaccinée venue de l'un des pays d'Afrique selon l'agence de presse officielle émiratie. La femme ne présentant aucun symptôme a été isolée et son état a été suivi. De même pour les personnes étant entrées en contact avec elle. Direction la France cette fois-ci où deux premiers cas de variant Omicron ont été confirmés en métropole, en Île-de-France et dans le Haut-Rhin. Concernant des voyageurs rentrant d'Afrique face à la menace de ce nouveau variant, la France a annoncé mercredi un durcissement des conditions d'accès à son territoire en imposant notamment un test négatif pour tous les voyageurs, même vaccinés, provenant d'un pays hors de l'Union européenne. Aucun décès imputable au variant Omicron n'a encore été annoncé dans le monde à ce jour. L'ONU et l'Union africaine ont condamné hier, 1er décembre, la ségrégation dont font l'objet plutôt certains pays d'Afrique australe depuis la découverte de ce variant, Omicron. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime que l'Afrique était doublement condamnée dans cette pandémie. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, considère ces décisions comme une injustice et une ségrégation non justifiée.
Vous l'avez certainement compris, c'est un nouveau variant très préoccupant qui a émergé en Afrique du Sud. L'OMS l'a surnommé Omicron, considéré comme la 15e lettre de l'alphabet grec. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur l'origine justement de cette appellation. Mohamed Amina Berkan. Depuis quelques jours, il fait beaucoup parler de lui. Ce nouveau variant découvert en Afrique du Sud, l'OMS l'a nommé Omicron. Mais comment a été choisi ce drôle de nom? Suivez-nous, on vous explique. Omicron est la 15e lettre de l'alphabet grec. Au début de la pandémie de Covid, les médias et le grand public ont pris l'habitude d'utiliser son origine anglais ou encore indien pour désigner le nom d'un nouveau variant plutôt que son code, celui du variant Omicron, et par exemple B.1.1.529. Depuis mai 2021, pour éviter que cela stigmatise des pays ou populations, l'OMS a choisi de désigner les différentes souches du virus à l'aide de l'alphabet grec classique. Le variant anglais est ainsi devenu alpha, qui est la première lettre de l'alphabet grec. Puis, il y a eu les variants bêta, gamma et delta, rappelez-vous. Le nouveau nom du variant est donc Omicron. Mais selon l'ordre de l'alphabet grec, il aurait dû être nu. L'OMS a décidé de sauter la lettre nu, mais aussi la lettre J, pour plusieurs raisons et plusieurs considérations. Tout d'abord, la lettre nu, qui n'a pas la même prononciation en anglais, phonétiquement, cela aurait donné new, nouveau, en anglais, ce qui aurait pu être une source de confusion. La lettre de l'alphabet grec suivante est chi, et ici, c'est pour des raisons géopolitiques qu'elle n'a pas été utilisée. En effet, chi est le nom du président chinois Xi Jinping, et comme on s'en souvient, le virus est apparu sur le territoire chinois. Cela aurait pu mal passer. Une stigmatisation pour les plus sages. Après Omicron, les lettres suivantes sont pi et rho, sauf si ces lettres posent des problèmes de prononciation ou des problèmes géopolitiques, ce sont donc elles qui devraient donner leur nom au prochain variant. Par contre, une fois que l'alphabet grec sera terminé, sachant qu'il ne reste que 8 lettres, on ne sait pas à l'heure actuelle quel nom pourrait être utilisé. Alors que des négociations viennent de reprendre en Autriche pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, l'Agence internationale de l'énergie atomique a rapporté que l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi avec des centrifugeuses de pointe dans sa centrale souterraine de Fordow, une pratique qui lui a été interdite par l'accord de 2015. Neilayt Hamouda. L'Iran entame l'enrichissement de son uranium à hauteur de 20% avec une cascade de centrifugeuses de pointe dans sa centrale souterraine à Fordow. Annonce faite mercredi par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une nouvelle qui fragilise un peu plus l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien alors que des négociations viennent de reprendre pour tenter de le sauver. Pour rappel, il est interdit à l'Iran, au terme de l'accord de 2015, d'enrichir de l'uranium, quel que soit le degré d'enrichissement ou les centrifugeuses utilisées. Aujourd'hui, le stock d'uranium de Téhéran est en croissance rapide. Une partie est enrichie à 60%, alors que selon les termes de l'accord, ce niveau ne doit pas dépasser 3,67%. Raphaël Grossi, le directeur général de l'agence atomique, affirme qu'un accord préalable demeure possible si la volonté politique soit présente. Par conséquent, dans un rapport plus détaillé transmis par l'agence onusienne à ses États membres, qui a décidé de renforcer les inspections menées sur le site d'enrichissement d'uranium de Fordow. De son côté, Téhéran a minimisé l'importance du rapport, le décrivant comme un document de routine. Il s'agit d'une mise à jour ordinaire conforme aux vérifications normales. Depuis le départ de l'ancienne administration Trump et par conséquent la fin de l'accord de 2015, les grandes puissances signataires de l'accord de 2015 n'ont cessé de rappeler l'Iran de reprendre les discussions. Mais Téhéran en a profité pour accélérer son programme nucléaire. L'épilogue Iran et son enrichissement de l'uranium est loin d'être terminé.
et la tension monte entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis. Pour tenter de faire baisser cette tension, les chefs de la diplomatie des deux puissances du monde, Sergueï Lavrov et Anthony Blinken, se rencontrent en Suède. Alors que la diplomatie se déploie, le propos, lui, reste accusateur. Leila Gertel. L'Ukraine, théâtre de disputes entre les deux puissances de ce monde. Lorsque Poutine resserre l'étau du côté biélorusse, l'Europe s'emballe et l'OTAN actionne les manettes en Ukraine. Un jeu devenu presque visible à l'œil nu. La tension grimpe et de plusieurs crans entre Moscou et Washington sur fond de crise militaire. L'OTAN rentre en scène et tente de rapprocher ses forces des frontières russes. Poutine réagit et déclare qu'il ne permettra à aucune puissance autantiste de manœuvrer à ses portes. Suite à quoi le Foreign Office américain lance que la Russie tente d'envahir l'est de l'Ukraine et que les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, dira même que son pays possède des preuves de ses préparatifs, tout en appelant la Russie, je cite, à retirer ses troupes. Sergueï Lavrov revient à la charge et met en garde l'OTAN contre tout rapprochement militaire des bases de son pays et même des frontières. Devant une telle escalade à coups de guerre médiatique et d'accusations allant jusqu'aux menaces, deux puissances de ce monde veulent asseoir leur hégémonie sur cette partie du monde. Cette tension nous renvoie directement vers les événements de la Crimée en 2014 où l'OTAN a joué la carte ukrainienne pour tenter d'affaiblir Poutine, mais c'était sans compter avec la ruse du président russe qui a tout simplement planté le drapeau russe en Crimée. Depuis, la tension n'a jamais réellement baissé. L'Ukraine demeure aujourd'hui une carte qu'agite l'Europe occidentale pour tenter de dissuader Poutine, mais il semblerait que cette carte donne plus de mal à ses alliés qu'à ses adversaires. Et aux États-Unis, après la fusillade dans un lycée du Michigan, un quatrième élève succombe à ses blessures. Mardi, un adolescent de 15 ans, élève du même lycée, avait tué par balle trois lycéens âgés de 14 à 17 ans et blessé 8 personnes, dont un enseignant. Le tireur s'est par la suite rendu à la police et a été placé en détention sans pour autant faire de déclaration sur les raisons qui l'ont poussé à commettre ces crimes. Au Honduras, victoire historique non officielle de Xiomara Castro, qui a obtenu la majorité à l'élection présidentielle du 28 novembre. La candidate du parti Liberté et Refondation deviendrait alors la toute première femme présidente du pays d'Amérique centrale. Ce matin, tout juste 60% des bulletins avaient été dépouillés. Son rival de droite, Nasri Asfura, le candidat du parti national au pouvoir depuis 12 ans, a reconnu sa défaite. Xiomara Castro a récolté près de 52% des voix contre 35% pour Asfura. Et dans le dossier énergie, les travaux de la 23e réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP ont eu lieu aujourd'hui par visioconférence avec la participation du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Rab. Des travaux qui débouchent sur une décision plutôt inattendue. Les détails avec Khaled Mbattache. Les marchés du pétrole dans l'expectative ce jeudi, alors que tous les regards étaient braqués sur la 23e réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP. À la surprise générale, les cartels pétroliers ont décidé d'augmenter le niveau de production de 400 000 barils en janvier. Je pense que les prix vont continuer d'augmenter jusqu'à atteindre la barre des 100 dollars le baril. Si la situation sanitaire ne venait pas à s'aggraver, comme un certain nombre de facteurs économiques accompagnant la reprise mondiale, à l'image de la hausse des prix du fret maritime et de l'inflation, permettent de le prédire. Cette décision plutôt inattendue fait écho à la panique générée par le nouveau variant Omicron, qui a fait chuter de 10% les cours du brut, alors qu'il culminait à des niveaux records depuis plusieurs semaines. Cette décision d'augmenter la production en janvier est à saluer, car elle va permettre de répondre à la hausse de la demande qui devrait atteindre les 100 millions de barils par jour. Pays membre de l'OPEP, l'Algérie était représentée par son ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Rab, qui a récemment mis en garde contre le risque que représente la propagation du nouveau variant. Dans son discours d'ouverture de la 35e réunion du comité ministériel conjoint de suivi OPEP et non-OPEP, ayant précédé la réunion ministérielle,
Le ministre de l'Énergie angolais, président de la conférence Diamantino Pedro Azevedo, a souligné que la pandémie Covid-19 reste un ennemi persistant qui continue d'effrayer les marchés. La demande en matière de pétrole a subi un vrai crash depuis l'apparition de la pandémie Covid-19, un événement sans précédent. Durant 20 mois, notre collaboration a fonctionné sans interruption afin de garantir une stabilité au marché et à l'économie mondiale. Selon les experts, la décision d'augmenter la production de 400 000 barils se veut une réponse aux partenaires des cartels et à leur tête les États-Unis, qui ont relâché une partie de leurs réserves stratégiques de pétrole pour faire baisser la tension sur les cours du brut. Et on va continuer à parler énergie. L'Algérie se profile comme nouvelle destination de la Turquie dans ses plans pour s'approvisionner en gaz naturel liquéfié jusqu'en 2024. Un méthanier algérien de transport de gaz accoste au terminal GNL au port d'Izmir pour une nouvelle opération d'exportation de cette substance énergétique. Plus de détails avec Mohamed Wali Ben Chaben. L'intérêt de la Turquie pour le gaz algérien intervient comme un fort signal de l'amélioration et la consolidation des relations commerciales entre Alger et Ankara. Selon le site d'information turc sandakika.com, un méthanier algérien de transport de gaz, le Berge d'Arzu, est arrivé au terminal GNL d'Aliaga à Izmir pour la livraison d'une nouvelle quantité en GNL, suite au renouvellement du contrat d'approvisionnement jusqu'à 2024. Cet accord avec la Turquie pour l'exportation du gaz qui s'étale jusqu'en 2024, je pense qu'il est un excellent engagement pour l'économie. Pour l'Algérie, je souhaite qu'on ne reproduise plus les mêmes erreurs que nous avons commises dans le passé avec certains pays européens. Dans l'histoire de la désignation de ces prix, surtout s'agissant de contrats signés à long terme, cela a affecté sensiblement l'économie algérienne. Il y a 2 ans, les prix du gaz en général étaient à moins de 2 dollars le mégawatt-heure. Aujourd'hui, le prix de cette substance est passé à plus de 34 dollars mégawatt-heure. La Turquie met en avant des efforts pour réduire ses importations du gaz de la Russie et de l'Iran afin de garantir les besoins en gaz naturel d'Ankara, en augmentant ses importations d'Algérie et d'Azerbaïdjan notamment. C'est vrai que l'Algérie a élargi ses investissements vers de nouveaux marchés, parmi lesquels la Turquie, mais je pense que le discours de certains responsables contient quelques problèmes parce que la production de gaz est limitée, notamment en vue de la consommation interne et du manque de nouveaux investissements en hydrocarbures en général. Aussi au vu de manque de clarté sur certains aspects relatifs à la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Mais il faut qu'il y ait de nouveaux investissements, essentiellement dans le domaine gazier, afin d'augmenter la production nationale. S'agissant du GNL algérien, est passé de 9% à près de 13% en 2020. On s'attend à ce que ces importations augmentent en 2021 et dans les années à venir avec la croissance accélérée des relations algéro-turques à tous égards. Toujours en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan nomme un nouveau ministre des Finances. Au moment où le pays subit la dégringolade de la monnaie et une inflation galopante, il remplace son ministre des Finances, Lutfi Elvan, par Nureddin Nebati, l'adjoint de Elvan. Elvan qui avait pris ses fonctions après la démission du gendre du chef de l'État turc, Berat Albayrak. Et en sport, Coupe du monde du biathlon avec l'épreuve du sprint féminin de 7,5 km à Östersund en Suède. Aujourd'hui, les temps forts avec Salah Faison. En Suède, chaque épreuve dans le biathlon a sa reine. Après Marketa Davidova et Anna Oberg, c'est le tour de l'Autrichienne Lisa Teresa Hauser de remporter la première place du podium ce jeudi sur l'épreuve du sprint, 7,5 km. Teresa réalisait en 10 sur 10 derrière la carabine. L'Autrichien de 27 ans a devancé de 12 secondes la Suédoise Elvera Oberg, juste 22 ans. La Suédoise a un avenir promettant d'après les observateurs. La Biélorusse Anna Sola s'est classée 3e à 14 secondes de la lauréate du jour. Teresa, la championne du monde Mastar, a réalisé une course parfaite et signe sur le 3e succès de sa carrière. L'Autrichienne portera le dosseur jaune avec un avantage intéressant lors de la poursuite de ce samedi.
C'est juste incroyable. Je n'ai pas attendu cette victoire en sprint. Je pense que je devrais faire mieux que dimanche dernier. Une seule erreur, ça passe, mais zéro erreur, c'est beaucoup mieux. L'Autrichienne portera le dossard jaune avec un avantage intéressant lors de la poursuite ce samedi. La Coupe du Monde du biathlon 2021-2022 passera par la Finlande, l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Estonie et la Norvège. Cinéma. Le Cameroun a célébré le grand écran africain pendant une semaine. Le festival du cinéma africain Écran Noir a ravi les vrais cinéphiles du continent qui n'ont pas manqué à l'appel. Amira Betua. La capitale camerounaise a vécu une semaine au rythme des projections cinématographiques. Des images venues de quatre coins du continent africain ont fait voyager les Yaoundé. La 25e édition du Festival du cinéma africain, Écran Noir, était sous le thème « Cinéma, un art marchand et libérateur ». Plus de 70 films projetés, des rencontres entre producteurs, réalisateurs et acteurs, des riches colloques et des ateliers ont été au programme. Les prix ont été décernés par les jurys du festival lors de la cérémonie de clôture. Celui de la meilleure comédienne africaine a été remporté par Glory Mununko. Le réalisateur Narcisse Wandji, quant à lui, a reçu deux prix, celui du meilleur film camerounais et du meilleur scénario au Écran Noir. Hakim Abdelraouf, membre du jury du festival Écran Noir, catégorie court-métrage, fiction, nous parle de cette 25e édition. Le festival Écran Noir de Yaoundé est un festival dédié au cinéma africain. J'ai eu l'honneur de participer à cette édition, à cette 25e édition du festival en tant que membre du jury dans les sections long métrage international et court métrage fiction international. L'importance de cette manifestation cinématographique qui se déroule en Afrique centrale à Yaoundé, c'est tel que les JCC ou le FISPACO à Ouagadougou, c'est surtout de promouvoir le cinéma africain et le cinéma étranger sur l'Afrique et le monde noir en les faisant connaître et aimé par la diffusion des films et la valorisation des métiers du cinéma. Les artistes et les professionnels du monde du cinéma africain ont relevé l'importance de soutenir le cinéma africain afin de lui assurer un avenir meilleur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez-nous demain à 13h pour votre prochain rendez-vous de l'actualité. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.